comment ça, Jar Jar Binks serait le père de Rey? Ça n'a pas de sens. Comme théorie à la con. Rey, asseyez-vous. Oui, monsieur. Votre comportement devient de plus en plus difficile à cerner, Frédéric. Je déclinais votre identité pour le rapport. Frédéric Comte. Tentative d'écriture de script non conforme, abus de présence sur les tournages, harcèlement de la production. Vous confirmez? Attendez, je suis là pour me faire juger. Ça fait 5 ans que vous êtes en roue libre dans la boîte, Frédéric. Vous êtes fougueux, imprévisible, mais aussi ambitieux et passionné. Et ça, ce sont des qualités que nous savons apprécier. Le but, c'est d'avancer, non? Donc j'avance. Justement, Frédéric, nous avons une mission. Bon. J'écoute. Vous allez avoir la lourde tâche, mais également l'immense privilège de rédiger le script du prochain Star Wars. Pourquoi vous demandez pas à Abrams de le faire? Ça vous a plu ce qu'il a fait sur l'épisode 7? Tout à fait, le résultat était parfait. Néanmoins, Frédéric, il ne s'agit pas là du 8e épisode de la saga Star Wars. Quel est le projet? Le projet, Frédéric, je ne peux pas vous en parler. La seule personne susceptible de vous aider sur ce coup-là, vous la rencontrerez bientôt. Et de qui s'agit-il? Un obscur scénariste qui a déjà travaillé pour nous, mais qui a sombré dans la folie suite à l'aboutissement de son projet. Il sera la seule personne à pouvoir vous aider dans la création de ce que nous souhaitons. Les seules directives qui devront être appliquées coûte que coûte sont les suivantes. Ce n'est pas un film Star Wars officiel. Et surtout, Frédéric, surtout, vous ne marchez pas dans les pas de George Lucas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est très clair. Bonjour. Que veux-tu, Frédéric Comte? Vous connaissez mon nom? Je connais chacun des scénaristes de ce studio. Mais toi, mon jeune ami, tu es différent. On m'a dit de venir vous voir pour préparer l'écriture du prochain script. Ils t'ont demandé d'écrire le scénario. Oui. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Tu ne sais pas. Tu ne te doutes pas. Tu vois cette cicatrice? Oui. C'est un de ces fanatiques, comme il s'appelle, qui me l'a faite. En 1978. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que j'avais osé écrire une histoire annexe sur Star Wars. Il a refusé que je recommence. Alors il m'a tailladé la gueule. Depuis, les studios m'ont enfermé ici. Et maintenant, je passe mes journées à écrire des épisodes de Star Wars Rebelle. Oh mon dieu. Je suis désolé. Mais je m'en contente. Mais j'ai une question à te poser. Laquelle? Que feras-tu s'il te capture? Que feras-tu sous la contrainte? Si tu vas au bout de cette aventure, qu'adviendra-t-il de toi? Eva! Quoi? Va chercher l'ordi. On a un script à écrire. Tu l'as? Oh oui. Et ça va être énorme. Sérieusement? Bah ouais, c'est très bien, ça va être énorme.
quartier, toi. Mais pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est une très bonne idée. C'est... Chers spectateurs, et bienvenue dans cette chronique sur Rogue One, a Star Wars Story de Gareth Edwards. Bon, on va enlever les casques parce qu'on a l'air un peu con. Hop là. Donc oui, Rogue One, a Star Wars Story, le nouveau film de la saga Star Wars, qui est le premier spin-off de la série des trois spin-offs qui vont sortir à partir de cette année, et donc tous les deux ans entre les épisodes officiels. L'histoire de celui-là. Et bien c'est celle de Jyn Erso, une jeune femme qui va voir sa mère mourir tuée par un général de l'Empire et son père kidnappé. Et plusieurs années plus tard, et ben alors qu'elle est complètement en roue libre, elle va être recrutée par la rébellion pour intercepter un pilote qui aurait un message de son père sur une étrange station spatiale en pleine construction, qu'on ne connaît pas du tout comme l'étoile noire, évidemment. Pour en parler avec moi, Ronan, youtubeur nantais. Bonjour. On s'est déjà croisé plusieurs fois à des séances de cinéma, et je me suis dit que un fan de SF comme toi, c'était quand même important pour une chronique sur Star Wars. Ouais, c'est ça. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va super bien. Je suis très rassuré, suite à ce qu'on a vu, je suis très très rassuré. Rassuré parce que, très franchement, ça faisait peur, ce projet. Très peur. Ça faisait très peur, que ce soit par l'histoire... Que ce soit par le fait que tout du long de son annonce, les gens arrêtaient pas de nous rabattre que ça allait être une daube parce que Gareth Edwards n'avait pas eu les mains libres sur le projet, parce que Tony Gilroy est repassé derrière pour le scénario, parce que John Gilroy est repassé derrière pour le montage, parce qu'on lui a coupé les vivres à partir d'un certain moment à Gareth Edwards, parce qu'il avait trop d'ambition, parce que c'était trop noir, parce que ça fonctionnait pas. C'était une... Parce qu'il y avait des reshoots. Parce qu'il y avait des reshoots, voilà. Tout le monde a sorti que ça allait être une catastrophe. Et ben bilan, j'ai envie de me tourner tout de suite vers toi, Renan. Est-ce que c'est bon, Star Wars Rogue One ? Eh ben putain, oui. Yes. Je suis rassuré. C'était vraiment... moi aussi, j'avais très très peur parce que... Il y a eu Star Wars 7 où effectivement, on connaît les défauts qu'il a, même si personnellement, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je me suis dit, un spin-off, ça va être une première dans Star Wars. Et la plupart du temps, enfin c'est pas vraiment une première parce qu'il y a eu tous les films sur les Ewoks, les dessins animés droïdes, etc. Ne parle pas de ces choses-là, ça n'existe pas. Ça voilà, n'existe pas. Mais Holiday gros, Special n'existe pas. Voilà, mais en gros c'était toujours des expériences un petit peu très mauvaises et donc du coup on pouvait. C'est ça, et du coup on pouvait peut-être s'inquiéter sur Rogue One que ça soit pareil encore du. Et puis aussi la peur que ça fasse un peu comme du Marvel où on presse le citron jusqu'à plus soif et qu'on ait encore un truc hyper formaté. Et ben pas du tout en fait. Et très très bonne surprise quoi. Franchement, ça a été une super séance du début à la fin quoi. Ah oui, complètement. Je vais t'appuyer là-dessus à mort. C'est une bombe, tout simplement. Parce que on en attendait à la fois beaucoup et de manière pas forcément pessimiste. Pas forcément optimiste sur le film. Et au final, on en ressort avec une banane phénoménale. Enfin, tu l'as vu, quand je suis sorti du film, j'avais une banane de 10 km. Oui, mais... J'étais fasciné par le long-métrage parce carrément. Qu'il est vraiment fun. Ouais. C'est pas juste un film Star Wars, c'est un film Star Wars qui réinvente en partie l'univers. C'est ça. Et qui le fait bien. Ouais. Qui le fait pas en mode, vas-y, on va mettre 2-3 trucs un peu par-ci par-là et ça va s'appeler Star Wars. Ça réinvente vraiment le genre à la Star Wars. Le film, l'opéra à la SF de Star Wars. Mmh. Et rien que pour ça, on a envie de dire merci à Gareth Edwards parce qu'il a vraiment réussi le coup. On était vraiment en droit de se poser énormément de questions, encore une fois, je le répète. Mais à aucun moment dans le film, on a le moindre doute. Et dès la séquence d'ouverture,
il pose la base en disant voilà, mon film ne sera pas un film Star Wars comme vous avez l'habitude de le voir. Ça se fait forcément par le fait qu'il n'y a pas le rolling credits au début. C'est ça déjà. C'est un petit point de détail, mais au final, ça fait sa différence lorsqu'on commence à rentrer dans le film. Et qu'on se dit, ok. Il y a les noms de planètes aussi qui sont indiqués à l'écran. D'habitude, jamais dans un Star Wars, on vous indique qu'il faut une ligne de dialogue pour te dire où on est. Et là, non, c'est indiqué quand on te dit précisément où c'est. On te dit précisément où c'est, qu'est-ce qu'il y a sur cette planète-là aussi, quand c'est nécessaire, évidemment. Quand c'est une mine du Kyber, par exemple. Voilà, et même le Kyber, pendant toute une partie du film, je me suis dit, ils vont quand même expliquer ce que c'est, parce que c'est le truc typique de fan que le grand public connaît pas. Et même ça, ils arrivaient à l'expliquer de manière intelligente. Et, c'est ça, c'est pas jeté en voilà, mode... C'est en gros, ils ont quand même repris des choses, on sent qu'ils ont repris quelque chose de l'univers étendu, on sent vraiment que c'est du travail de fan absolu, quoi. Ils ont repris des trucs de l'univers étendu, ils ont repris, et pourtant je connais pas du tout, hein, mais voilà, les cristaux Kyber, j'en ai entendu parler plein de fois, enfin il y a plein d'éléments en fait comme ça qui reviennent, on sent que qu'il y a un amour pour la saga dans ce film, tout en essayant d'amener une patte derrière, qui amène de la nouveauté en fait, et même... Enfin, il y a beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau des planètes. On n'est pas comme dans l'épisode 7 où on avait une Tatooine 2, une Hoth 2, etc. Là, c'est vraiment que de la nouveauté. Il y a peut-être juste une planète où ils mettent pas ce que c'est, où je me demande si c'était pas Mustafar d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça y ressemble. Ça y ressemble, mais il n'y a plus d'éruption, ou je sais pas, alors c'était bizarre. Ouais. Et petite surprise. Voilà, on sait pas. C'était pas écrit dessus. Je dirais pas ce qui se passe dessus parce que ça spoil la mort. Ah, mais... non, ça spoil la mort. Mais voilà, c'était plein de nouveautés. Il met vraiment une patte bien particulière et on sent que c'est voilà, c'est une lettre d'amour quoi en fait à la saga. Et moi je t'avoue que quand même on va tout de suite aborder dans les points, moi je t'avoue que j'avais un petit chouïa peur pour le scénario, pas forcément pour ceux qui ont conçu l'idée, donc qui sont John Knoll et Gary Whitta. Ouais. Donc Gary Whitta qu'on a connu pour avoir écrit le scénario de La Planète des Singes, Les Origines et de La Planète des Singes, l'affrontement, ainsi qu'une partie de Jurassic World. Et John Knoll, dont tu m'as appris qu'il était superviseur des effets visuels sur le premier Star Wars, mais également le créateur de... Apparemment, il serait créateur de Photoshop. C'est assez... rigolo. Voilà, donc... voilà. Et John Knoll, d'ailleurs, si, pour ceux qui ont essayé de faire des sabres laser sur des vidéos, c'est un des premiers à avoir publié des tutos pour le faire et tout. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment le mec qui bosse sur Star Wars depuis très longtemps, quoi. Donc voilà. Et le scénario, ensuite, a été écrit par Tony Gilroy et Chris Waitz. Chris Waitz, qui est un réalisateur et scénariste plus connu notamment pour avoir écrit le scénario des American Pie. Et ouais. Ah ouais. Donc résultat, quand j'ai vu ça, j'ai fait aïe aïe aïe. Ah oui, donc si on se tape un espèce de film un peu chelou comme ça, on sait pas ce que ça allait donner. Au final, il n'y a pas ça. Le seul petit défaut tout de suite, moi, que je peux pointer du doigt, c'est peut-être un petit chouïa que les personnages, par moment, ils sont un petit peu trop surfaits. Moi, c'est le seul point que j'ai vraiment à redire au niveau de l'écriture, parce que je trouve qu'en soi, l'écriture n'est pas du tout prévisible. Mmh. Les événements sont vraiment bien conçus, ils s'enchaînent avec logique, avec cohérence et avec efficacité. Chacun des points qui avancent et qui permet aux personnages d'avancer au fur et à mesure dans l'aventure, c'est jamais uniquement un point, genre on se dit c'est un peu jeté comme ça, comme vous pouvez se dire des fois pour Star Wars 7, ouais. Où il y avait certains points de scénario où on avait la sensation que les personnages étaient forcés par le scénario à se déplacer et que c'était pas un événement qui les incitait à se déplacer. Et là on a vraiment la sensation que c'est les événements qui incitent les personnages à se déplacer. Et après, ouais, je trouve peut-être un petit peu que les personnages, notamment secondaires surtout, parce que Jyn Erso, autant elle est surprenante, parce qu'on n'a pas l'habitude tant que ça de voir dans l'univers Star Wars des femmes fortes, et ça fait plaisir de voir des vraies femmes fortes après Rey qui se développent dans l'univers Star Wars. Ouais. Et là, je trouve que, ouais, il y a 2-3 personnages qui sont caricaturaux, hormis le personnage de Donnie Yen, qui accessoirement m'a fait jubiler du début à la fin. Il est génial, lui. Ce mec est énorme, un aveugle qui fait des arts martiaux et qui en plus pète la classe du début à la fin, mais moi j'étais en train de baver, littéralement. J'avais la petite baffe sur le coin de la lèvre. Ouais, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais en train de discuter sur Facebook sur l'identité de Snoke et j'ai plaisanté justement parce qu'à chaque fois tout le monde fait des théories de partout avec Dark Plagueis. Maintenant il y a des gens qui disent que c'est Tarkan. Il y en a d'autres Tarkin. Qui pensaient pendant un temps que c'était Jar Jar Binks aussi. Voilà, et moi je m'étais dit, mais pourquoi ce serait pas Chirrut carrément. C'est ça. Voilà, le personnage de Donnie Yen, parce que bon, après tout, on sait pas hein, si ça pourquoi se trouve, mais bon, ça serait un peu gros. Non, non. Ouais, mais ouais, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve vraiment le scénario qu'il est, il est vraiment, vraiment fascinant. Quoi. En fait, on sent vraiment qu'on est dans un one-shot. Star Wars épisode 7, le problème, c'est qu'ils ont voulu vraiment l'ancrer dans une nouvelle trilogie. Dans une trilogie. C'est-à-dire que si on voit que le 7 tout seul, on sait très bien qu'il faut attendre les épisodes suivants pour avoir des réponses. C'est ça.
Et même que je pense qu'il faut lire certains romans ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui sont un peu planqués dans les... Oui, ils ont l'air d'avoir planqué des trucs dans les romans qui sont annexes à l'épisode 6. Enfin, c'est... Ouais, alors que là, Rogue One, tout le scénario se tient dans le film tout seul. Il n'y a besoin de lire de trucs en plus et tout. Et du coup, on comprend tout du début à la fin. C'est intelligent, c'est logique, c'est tout s'amène très bien, quoi, en fait. Tout s'enchaîne parfaitement. C'est vraiment coincé entre le 3 et le 4. Vous n'allez pas avoir la sensation de débarquer en terrain inconnu, même si ça fait plaisir au début, de ne pas forcément savoir tout ce qui se passe dans les premiers avancements de l'écriture. Mais ensuite, dès que ça finit de se mettre en place, on est resitué. On sait où on se trouve, on sait dans quel contexte on est, et la manière avec laquelle les événements s'enchaînent, et la manière avec laquelle le film se clôture, sans forcément trop en raconter, c'est vraiment le parfait raccord, si vous faites une soirée, entre Rogue One et Star Wars 4. C'est ça. Vraiment, si vous enchaînez, on pourrait presque recouper le montage. Ouais, par contre, j'ai l'impression quand même qu'ils l'ont conçu comme un préquel à regarder après. Oui, quand même. Je pense notamment, par exemple, au plan final, j'en dirai pas plus, mais ça casse un peu ce qui était mis en place dans le 4. C'est vrai. En début de film. C'est un peu trop appuyé, la dernière réplique. Voilà, et du coup... il y a ce lâchage de réplique. Pourtant, il était jouissif, ce plan, mais... Mais ouais, on sent vraiment que si on doit regarder Star Wars dans l'ordre, Rogue One, il faut le regarder après la saga, en fait. Après le 6, en fait. Ou après le 6. Parce que en le regardant avant, ça casse un peu l'intention du début du 4, en fait. Ouais. Et du coup, même si ça se cale entre les deux, après, ça dépend comment... c'est comme George Lucas qui disait qu'il fallait regarder la saga dans l'ordre 4, 5, 6, 1, 2, 3. Là, par contre, il a raison, je trouve. Voilà. Et effectivement, moi, j'ai beau essayer, je regarde 1, 2, 3, je sens qu'il y a des éléments qui sont... qui viennent casser un peu ce qui a été... C'est ça. Voilà. Mais ouais, après... Ouais, en soi, moi, ce qui m'a plu aussi au niveau du découpage narratif et dramatique, c'est vraiment qu'on a une construction, c'est pas, encore une fois, le héros mille visages qu'on voit tout le temps dans Star Wars, qui fait son essence dans un sens, mais qui, voilà, est un petit peu devenu le gimmick, entre guillemets, d'écriture et de narration. Là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans Hero Mille Visages, parce que ce personnage de Jyn Erso, il est vraiment déjà ancré dans ce monde, et au contraire, il le rejette presque ce monde. Et par le biais de la rencontre avec la Rébellion, il va le remettre en cause. Elle ne va pas accepter de rejoindre la Rébellion, elle va remettre en cause le monde qu'elle a mis en place pour ensuite accepter un autre monde. Mmh. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, ça se fait tout au long de nombreuses étapes qui rencontrent des personnages, moi, que je trouve, autant ils sont archétypaux et ils sont peut-être un petit peu faciles, autant ils restent quand même extrêmement classe, notamment le personnage carrément. De Saw. Ouais. Le personnage de Saw pète la classe. Carrément. Mais ouais. Au niveau de la mise en scène, Gareth Edwards est un mec qui sait tellement bien mettre en scène le gigantisme que quand tu regardes le film, je sais pas ce que t'en as pensé, mais quand tu regardes le film, t'es fasciné par la manière avec laquelle il filme la grandeur. Constamment. Ouais, et que ce soit d'ailleurs la grandeur depuis à l'échelle humaine, comme à l'échelle... c'est-à-dire que par exemple, sur la fin, on voit beaucoup de plans sur le dessus de la planète, mais vraiment vertical, complet, quoi. C'est ça. Et en fait, tu t'aperçois que tout ce truc géant que tu vois dans le reste de la scène, et en fait, depuis l'espace, c'est le machin tout petit, tu vois, en fait. Et du coup, tu te rends compte de l'immensité du... Et en fait, c'est vachement bien foutu. C'est qu'en gros, il y a un jeu comme ça sur les espaces qui est hyper bien fait tout au long du film, d'ailleurs. Hein, même quand ils sont sur la planète Jeddah, je crois. Oui, c'est ça. Où au début, on voit la ville de loin, on a l'impression que c'est juste un temple. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a une énorme ville dessus. Et tu fais « Waouh !» C'est génial. Non, c'est vachement bien foutu. Et en fait, il y a vraiment un jeu là-dessus qui est hyper bien fait. Ah non, mais moi, j'ai trouvé ça fascinant. Enfin, il y a des plans. Enfin, la manière avec laquelle... C'est un truc tout con. Mais dans les Star Wars, la manière avec laquelle George Lucas introduisait l'étoile noire, il le faisait de manière très synthétique. C'est-à-dire, en gros, il montrait un gros plan. Ou alors, la toute première fois qu'on la voit, c'est genre elle devient tout petite, mais elle grossit. Mmh. Mais étrangement, il n'y a pas cette sensation de gigantisme. Alors que là, le tout premier plan où on voit l'étoile noire, il commence sur un vaisseau impérial, qu'on trouve déjà gigantesque. D'abord, c'est sur un petit vaisseau qui fait découvrir un vaisseau impérial, qui débarque dans l'écran et qui devient, et qui devient énorme. Et ensuite, le vaisseau impérial arrive devant l'écran, et tout d'un coup, il y a une ombre qui s'enlève et qui révèle l'étoile noire. Et c'est le plan qui est dans la bande-annonce. Et c'est le plan qui est dans la bande-annonce, où en fait, ils sont en train de mettre le canon. Et bah, rien qu'avec ça, t'as envie de dire, ok, le mec, il a vraiment réussi à aller 10 fois plus loin que George Lucas. Là où J.J. Abrams, il essayait un tout petit peu de jouer avec les codes de la mise en scène de Lucas pour les réadapter à son style, Gareth Edwards a créé une vraie mise en scène à part qui est différente. Vraiment différente. Bah, c'est le mot-clé, en fait, hein,
On est dans du Star Wars, clairement. On est dans un univers qu'on connaît, oui et non, parce que bon, ça reste. On essaie quand même de nous faire découvrir des choses, mais on est quand même en terrain connu, mais complètement fait complètement différemment, et que ce soit la mise en scène ou, bah, comme tu disais, l'absence de texte ou l'affichage du titre, même la musique, on y viendra, mais il y a tout, en fait, tout est fait pour être quand même un truc vraiment différent, sans dépayser trop non plus. C'est ça. Et en fait, c'est super bien amené. On aurait pu imaginer qu'ils auraient voulu faire différent pour faire différent, et en fait, non, enfin, Gareth Edwards, parce que je mets il, mais au pluriel, mais il arrive à se débrouiller pour vraiment faire un équilibre entre ce qu'on connaît et le montrer d'une autre manière. C'est ça. Et d'ailleurs, ce plan, ce qui est vachement bien, c'est que y a le jeu, c'est ce que je disais, le jeu sur les échelles, où d'abord, t'as le petit vaisseau individuel. Oui, c'est ça. Et hop, on passe sur le grand pour vraiment bien montrer à quel point c'est énorme. Et t'as exactement le même jeu après par rapport à la planète. Bah, oui, c'est ça. C'est ce qu'on a derrière. Exactement, exactement. Et ouais, non, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et puis, au-delà de ça, il filme très, très bien les séquences de bataille, ce qui est franchement quelque chose de très compliqué, mais il y a la séquence de bataille de fin. Sans trop spoiler, encore une fois, il y a la séquence de bataille de fin qui est vraiment un modèle de scénographie. Et en plus, il y a un effet, moi, personnellement, que j'ai adoré. Il a réussi à re-incruster en post-prod des images de Star Wars 4, de Blue Leader, de Gold Leader et de Red Leader. Il a réussi à les réincruster pour qu'on reconnaisse les personnages du 4 et qu'on puisse les resituer dans le film. Et c'est assez jubilatoire parce que ça dure qu'une fraction de seconde. Mais ça suffit à nous faire comprendre que le mec, c'est vraiment un amoureux de Star Wars. Carrément. Et qu'il n'a pas choisi de le faire dans le fanservice, même s'il y en a dans le film. Il y en a. Il y en a pas mal. Mais il a choisi de le faire avec des dosettes qui sont tellement subtiles que quand on en ressort du film, on se dit « Ok, j'ai vu un fan-film de Star Wars, d'accord, mais ça va tellement plus loin qu'un fan-film de Star Wars que t'es complètement entraîné dedans et tu te dis « Ok, le mec, il a réussi à totalement me porter, il a compris l'univers, il est ouf. » Ouais. Bah, le fanservice, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est subtil et d'autres où tu sens bien, mange-le le fanservice, bon, quoi, surtout à la fin. Je t'avouerais que le dernier plan, voilà. Le dernier plan, c'est vas-y, mange mon fanservice, prends-le. Voilà. Après Tarkin, en fanservice, la réincrustation de Tarkin. Parce que bon, ça, c'était annoncé bien avant. Il y a effectivement Tarkin en image de synthèse qui est bien fait, mais là, c'est un autre souci qui est inhérent justement au personnage en image de synthèse. C'est qu'on n'est toujours pas capable de faire des mouvements de bouche qui sont crédibles. C'est ça. Et ça se voit à mort. Il y a le seul endroit où j'ai vu que ça marchait bien, c'est Michael Douglas dans Ant-Man. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le seul. Si, et. C'est pas dans Iron Man, c'est dans Avengers 2, je crois, où il y a un moment avec Tony Stark jeune. Oui, c'est ça, ouais. Ça aussi. Mais c'est tellement des petites séquences. Et dans un sens, ils ont déjà les acteurs de base, donc ils peuvent les retravailler en post-prod. Ils ont été vraiment obligés de totalement refaire en post-prod. Cela dit, ça reste super bien fait quand même. Hein. On est loin de Tron, l'héritage. Ok, oui. Ouais, non, c'était vraiment bien fait. Mais encore une fois, ouais, je pense que c'est le genre de truc où il vaudrait mieux qu'il garde une caméra un peu éloignée, parce qu'ils font pas mal de plans assez serrés. Assez proches, ouais. Et là, par contre, ça se voit assez, même au niveau des éclairages, on sent qu'il y a une différence entre l'éclairage du personnage en face et lui. Et bon, nous, on le voit parce que c'est technique. Après, le grand public, je pense qu'il va y voir que du feu. Il va prendre un maximum son pied, quoi. Et après, je t'avouerai que le petit fanservice que j'ai trouvé un petit chouïa lourd et pas forcément obligatoire, c'est C3PO et R2D2. Ah oui, là, c'était... Oui, là, c'était voilà, ça. Ça, c'est le fanservice maladroit. Là, il est pas très, très bien. Et puis, ça dure vraiment une fraction de seconde. On vous souhaite pas grand-chose, mais voilà, ça dure vraiment une fraction de seconde. Et c'est pas forcément très intéressant, en soi. Ouais. Mais voilà. Et après. Et c'est même pas logique d'ailleurs. Et c'est même pas logique en plus. Parce que normalement ils sont à bord du vaisseau au début de l'épisode 4 et en fait là ils montent pas du tout dessus, ils restent sur la base alors. Ouais. Après, un petit clin d'œil que j'ai trouvé assez sympathique, sans trop rentrer dans les détails encore une fois, c'est sur Jedha. Tu as un moment les deux poivreaux qui foutent la merde avec Luke Skywalker du 4. Et ça, c'est plutôt fandard. C'était fandard, ouais. C'était les gens rigolaient en plus. Oui, c'est ça. C'était bien fait. Non. Au niveau de la musique, rapidement, alors moi je trouve la composition de Michael Giacchino, et c'est le constat qu'on a fait, un petit chouïa trop surfait sur le film. Ouais, en fait il essaie d'imiter John Williams pendant tout le long du film, avec de temps en temps, moi il y a un thème qui m'a un peu heurté, c'est quand le titre apparaît, et ce thème revient trois fois dans le film, mais il est vraiment trop quoi. Et c'est un peu un thème calqué, j'ai remarqué ça, sur le thème de Leia. Sur le thème de Leia du 4, j'y ai fait gaffe parce que je me le suis retapé un petit peu dernièrement parce que le contexte a fait que je m'y suis retrouvé à le retaper et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des consonances identiques au thème de Leia. Ouais, mais du coup ils l'ont fait en grandiloquent et ça fait très bizarre. Et ça fait un petit chouïa trop.
Et sur le reste du film, ça va, il s'en sort pas trop mal. On sent qu'on est dans du Star Wars, on n'a pas forcément l'impression que c'est du Giacchino. Mais ouais, il y a quelques passages où. Il y a un passage aussi vers la fin sur. C'est quoi le nom de la planète, j'ai oublié. Pourtant, il a cité je ne sais combien de fois, c'est celle-ci. Mais du coup, à un moment, ils sont en train d'escalader les trucs et t'as une musique où t'as les notes qui reviennent 25 oui, fois. C'est ça. Et là, t'as envie de dire stop, calmos sur le suspense, on a compris. Enfin, c'était un peu. Après, bon, moi j'ai toujours ce problème avec Giacchino, c'est généralement un film sur deux où je vais vraiment pas aimer sa musique, quoi. Et ça se voit avec les Disney, où en ce moment c'est quasiment lui qui fait. Ah bah c'est lui qui fait tout le temps la musique des Disney. Les Disney, les Pixar, et en fait, il y a par exemple Vice Versa qui avait une musique géniale, puis juste après il a fait Zootopie où la musique était un peu coussi-coussa, quoi. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc qui me gêne avec Giacchino là-dessus, c'est qu'un film sur deux, je trouve qu'il se plante en fait. C'est bizarre, alors soit il y arrive quand il est pas guidé par quelque chose, et du coup il y arrive moins quand il a pas les mains libres, je sais pas, mais c'est bizarre. Je t'avoue personnellement, là dans le film, ce qui m'a fasciné, c'est quand il choisit de ne pas mettre de musique. Oui, aussi. C'est sans trop en développer, c'est un point où il choisit vraiment de ne pas mettre de musique à des moments dans le film, et ça rend le truc encore plus symbolique, et c'est peut-être là qu'il réussit le mieux à cristalliser les instants par le biais de sa composition musicale. Là où d'ailleurs dans les autres Star Wars, il y avait souvent énormément de passages musicaux et très peu de pauses. C'est ça. Et du coup, je pense par exemple, je pense qu'on peut spoiler l'épisode 7 maintenant. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. La mort d'Han Solo. C'est le moment où il aurait peut-être fallu stopper la musique à un moment pour mettre une pause. Et en fait, non, il fout de la musique. C'est dans l'épisode 4 aussi, quand il y a Ben qui meurt. Ah oui, de toute façon, John Williams a tendance à mettre trop de musique. Là où Giacchino a compris aussi que peut-être il fallait enlever de la musique. Et assez intéressant. Au niveau du casting, là ça va être rapide parce que tous les acteurs sont vraiment excellents dans ce film. Felicity vraiment. Jones est exceptionnelle, ouais. Diego Luna est super, Riz Ahmed rend très très bien, Forest Whitaker pète la classe, littéralement, pète la classe. Qui est-ce qu'on a d'autre? Donnie Yen, je l'aime, bah ouais. Je t'aime Donnie Yen, tu as réussi à faire de Rogue One le film avec l'un des meilleurs personnages depuis très longtemps. Zhang Yang aussi, qui joue son acolyte, est super bien. Ouais, non, vraiment, tout est bon. Il y a Alan Tudyk aussi. Ben Mendelsohn aussi. Alan Tudyk aussi qui fait la voix du droïde. Ben Mendelsohn qui joue le général, là, le directeur Krennic. Qui joue super bien. Mads Mikkelsen aussi qui a un très bon rôle. Enfin, bon, tous les acteurs de ce film sont bons, quoi. De toute façon, Mads Mikkelsen, je crois qu'il n'y a pas un seul rôle où il se démarre. Même les mauvais films, Mads Mikkelsen, il arrive à les rendre impressionnants. Même The Salvation. D'ailleurs, Felicity Jones, c'est surprenant parce que j'ai vu Inferno le mois dernier où je l'ai trouvé vraiment pas génial. Pas extraordinaire, mais. Mais là. De toute façon, Inferno, voilà, moi je suis fan des bouquins. Et c'était une insulte. Bref, mais bon, voilà. Enfin, je m'attendais du coup quand j'ai vu Inferno, je me suis dit, oh putain, ça. J'avais peur pour Rogue One. Et finalement, non, pas de problème. On rentre bien dans le personnage. Et j'aime bien ça dans un acteur. En fait, c'est quand on oublie l'acteur et qu'on est dans le perso. Et là, on est complètement dedans. Elle a parfaitement réussi. Alors, soit c'est une bonne direction, soit celle qui est bonne, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Parce que Gareth Edwards est un très très bon directeur d'acteur. Et ceux qui n'ont pas vu Godzilla. Regardez Godzilla parce que au moins la direction d'acteur est vraiment excellente, et Monsters pareil, la direction d'acteur fait quasiment la totalité de la grandeur du film. Et ben voilà, on a fait le tour de Rogue One. Ouais. Et ben petit bilan, qu'est-ce qu'on en garde donc de Rogue One, Ronan? Bah, un très bon Star Wars à voir, à revoir. Un très bon film aussi. Très bon film aussi. Voir, revoir, voilà, je pense que ça va être. Ça va être le carton de l'année, voilà. Le carton de l'hiver. Je pense pas qu'il va réussir aussi bien que l'épisode 7, parce que justement, les gens n'arrivent pas... Enfin, c'est ce que j'ai compris qui ressortait pas mal dans le grand public, c'est qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas trop compris pourquoi c'était pas l'épisode 8 et tout ça, et du coup, voilà. Enfin, je pense que ça va jouer un peu... je pense que l'alternance est peut-être pas idéale. Je pense aussi qu'il y a deux films qui vont lui faire défaut, qui se nomment Assassin's Creed et Passengers. Ouais. Ça va être la petite patate dans les prochaines semaines. Passengers peut-être moins. Ah, il y a Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Oui, moi j'avoue, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est vendu, j'y vais. Mais ouais, je suis pareil que toi, c'est vraiment un Star Wars qui moi m'a totalement emporté, qui m'a vraiment surpris, qui m'a presque, je pense, plus emporté que Star Wars 7. Parce que peut-être j'ai un attachement plus personnel aux 4, 5 et 6, et j'ai vraiment retrouvé cet esprit-là, mixé avec de la nouveauté. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment fasciné, et qui a fait que du début à la fin, j'avais les yeux qui pétillaient, j'étais entraîné du... J'étais vraiment hypnotisé par le film. Et de toute façon, Gareth Edwards, c'est un réalisateur qui est extrêmement prometteur. Donc à voir ce qu'il va faire par la suite. Mais là, avec ce film, il a vraiment réussi à dire « Voilà, j'ai mis ma patte dans l'univers Star Wars. Maintenant, quand on parlera de Star Wars, on parlera de moi et on l'ajoutera à la liste des grands réalisateurs qui ont mis en scène Star Wars. »
très facilement. Rogue One, c'était vraiment un putain de bon film et ouais, à voir, à revoir le plus possible. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci Renan d'avoir participé à cette vidéo. M'avoir reçu. Et ben c'était un plaisir, écoute. Et ben on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, oui, surtout des films Star Wars. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Allez, que la force soit avec vous, chers spectateurs. Quoi? Va chercher l'ordi. C'est quoi? Il me tue à chaque fois, quoi.